Salut les amis, vidéo pour faire le point sur l'esport WTCR de Race Room. Ça va prendre fin dans 15 jours. Là, on est dans la dernière semaine de qualif pour le Grand Prix de Malaisie. J'ai roulé un peu ce matin, je me suis mis dans les 80 premiers, donc ça fera une division 3 juste. Mais je vais rerouler un peu, je pense que je peux gagner encore quelques dixièmes par-ci par-là. Donc ce sera sûrement une division 2 ou 3. Mais surtout d'avoir la vidéo pour parler du round 6 qui était à Macao. Vidéo moins travaillée aujourd'hui, j'ai pas tellement de temps. En plus, quand j'ai voulu prendre des extraits comme je faisais d'habitude pour caler sur la voie, et ben Race Room était en maintenance, donc on fera plus simple. Ouais, donc Macao, qualification pas terrible, j'étais division 2, je m'y attendais pas du tout, j'y suis passé in extremis. Du coup, je me qualifie, je crois, 13 ou 14e, pourtant en faisant quasiment mon record personnel, donc bonne qualif pour moi, mais au départ, au-delà du top 10. Donc à partir de là, l'objectif c'était d'absolument finir dans les 10 premiers sur la course 1, hein, pour repartir dans les premiers à la course 2. Ça se sera bien passé parce que je terminerai 9e, donc content. Du coup, je repars 2e. Et là, le but c'était juste d'assurer pour finir dans le top 5 et faire un maximum de points, sauf que problème de connexion, surtout plus strict au niveau de Race Room, au niveau des pings. Du coup, je me suis retrouvé ping. Je suis retrouvé kick à 8 minutes de la fin. J'étais, je crois, 5e. Donc 20 points de raté bêtement à cause d'une connexion un peu faiblarde à un instant T. Mais ouais, du coup, un peu deg, mais du coup, 51. 41 au classement général. Pour le classement multijoueur, je dois être dans les 37, je crois, sur le time attack. Après, du coup, j'ai regardé un peu au niveau français ce que ça donnait. Donc, 6e, ça, je suis plutôt content, c'est pas mal. Même déjà 41 au général, c'est pas mal. Sachant que l'année dernière, j'avais beaucoup de mal à me qualifier dans les 120 premiers pour les courses en multi. Cette année, j'y arrive quasiment tout le temps avec pas mal de. Deux fois une division 2, je crois, donc c'est plutôt bien. Et puis après, des divisions 3 et 4, donc plutôt content quand même, belle progression. Mais ouais, du coup, je voulais parler aussi un peu de l'après e-sport WSR sur Race Room. Je compte passer sur iRacing, par contre, ça sera pas tout de suite, tout de suite. Je pense surtout que je vais mettre pour janvier, reprendre vraiment les championnats pour une saison complète. Donc je pense que je ferai de la Mixam Cup pour commencer. Si ça me plaît, si tout va bien, je verrai parce que en même temps, là, je pense passer le premier trimestre, Race Room va refaire l'Endurance Team Championship. Ça fait 2 années que je m'y qualifie, donc je vois pas pourquoi l'année prochaine j'y arriverai pas. Donc c'est 4 heures en endurance sur un Nordschleife en GT3. Donc à voir, je pense que j'y participerai si c'est reconduit. Et ouais, donc je jonglerai un peu entre iRacing et Race Room, je pense, même si je pense que j'ai vraiment envie de me mettre à iRacing de plus en plus. Mais ouais, du coup, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait sur iRacing et je pense que je commencerai en IMSA Cup. Donc je commencerai vraiment de zéro. Je ferai pas mal de vidéos, je pense, sur mes courses que j'enregistrerai. J'essaierai de gérer ça. Et du coup, suivant mon avancement dans la licence, ce sera soit le championnat avancé Mixam Cup, vous pouvez être juste pour quelle licence, hein, j'ai regardé rapidement. Et après en Audi la TCR, c'est surtout pour ça que j'ai envie de me mettre à Racing. C'est ce qui me donne le plus envie dessus, et les endurances en GT. Donc je verrai bien ce que je ferai, mais je pense que je vais arriver à me mettre vraiment dedans. Là déjà j'ai pris un abonnement de 3 mois pour prendre mes bases un peu sur les menus, etc. Régler un peu le volant, même si généralement je règle jamais grand chose sur le volant, je suis toujours quasiment juste à défaut, juste au force feedback que je baisse un peu pour éviter le clipping, et c'est tout quoi. Mais ouais, vidéo du coup un peu détente là, je suis un peu fatigué, le boulot, tout. Là, cette semaine j'étais pas, mais j'étais bossé 2 semaines sur une île là, il y a les 3 dernières semaines là. C'était assez dur, je dois y retourner dans 15 jours pour une semaine voire deux, donc ça me pompe pas mal de temps parce que je suis absent toute la semaine. Pour ça que les vidéos c'est un peu YOLO. Mais ouais, j'ai vraiment envie de les faire, donc je les fais comme là, donc je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, ça va sûrement être assez. Voilà. Donc ouais, on se retrouve sur les réseaux sociaux là, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook, Twitter. Début de semaine prochaine, je pense que je dirai dans quel... si je suis qualifié pour le Grand Prix de Malaisie là à Sepang. Et dans quelle division je serai un peu plus tard, ce qui met un peu de temps à donner la division. Mais ouais, voilà, petite vidéo et à la prochaine. Ciao!